Hey yo tout le monde, salut, c'est Transformer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous pétez la forme autant que moi aujourd'hui. J'ai bien apprécié vos commentaires sur mes précédentes vidéos et je remercie plus profond de mon cœur mes 6 nouveaux abonnés et tous les likes qui m'ont fait. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Brawl Stars spéciale où on fera une série de combats de boss sur 3 ou 4 épisodes, je ne sais pas encore, sur combats de boss. Zone de machine qui est apparue ce matin, il me semble. J'ai fait quelques jetons star, mais j'ai pas fait chasseur d'étoiles. Je suis vraiment pas fan de ce mode de jeu. En plus de la map, alors j'hésite à faire cette map. Maintenant, je vais bientôt la faire. Du coup, on commence en combat de boss. Je vais prendre. Costaud, tiens. Ça fait longtemps que j'ai joué. Ce que je vois, c'est que dès qu'on commence combat de boss, on a forcément le petit jeton star. Bon, allez, faut être chaud là. Oh, une Emery ensommeillée. C'est la deuxième fois de ma vie que je vois une Emery en combat. Et c'est une ensommeillée en plus. Bon, vous voyez, c'est relativement simple. Hein. Technique du costaud. Hop, 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 hop. Non! Mais non, mais je suis du mauvais côté! J'ai vraiment fait n'importe quoi. Ils doivent se dire que je suis un noob là. Je suis pas encore chaud là, je commence un peu à redémarrer là. J'ai à peine fait mes petits jetons. Je viens à peine de me connecter à Brossard de la journée là. Après, je sais pas si voilà, le tourbillon d'Emery nous sert à quelque chose. Si, on a l'impression aussi, si. Si, il nous sert. Le robot ne nous voit même pas. C'est dingue! Bon, je vais vous relancer ma mythique phrase. Hein. Si vous avez un jeu que vous kiffez, n'hésitez pas à me le faire partager dans les commentaires. Et désolé, Reality Demon, si tu peux me faire une erreur, si tu peux me corriger si je me suis trompé de ton pseudo. J'ai essayé d'installer Fortnite il n'y a pas très très longtemps, mais malheureusement je n'ai pas réussi. Du coup, je suis désolé. J'espère que tu m'as compris. Les boss, en vrai, ils s'acharnent sur nous. Hein. N'est-ce pas, les amis? Haha. Please. Il n'y a pas encore la charge, je crois, en mode normal. Je sais pas. Même pas régénéré, mec. Il est vénère. Bon, faut le dire, après, quand il sait qu'il va mourir, par un Elgosto, une Emery et un Bull. D'ailleurs, le Bull, je sais pas ce qu'il fout. Je sais pas. Mais encore, c'est pas très intéressant. Ça se fait rapidement. En plus, je suis quasiment le seul qui tape le boss. Ce que je préfère quand il y a des gemmes, parce que ça, on peut échauffer l'intelligence des gens. Sur qui prend les gemmes et des choix stratégiques. Là, c'est un peu, bon, tout la même chose. Mais aussi, il n'y a même pas eu de niveau de rage. Moi, mon record, c'est Maniac. J'ai réussi Maniac 1, et je sais plus si j'ai réussi Maniac 2, mais je crois. Vous pouvez aussi me partager via les commentaires votre record de Maniac. Sérieusement, là, je me chauffe. Prends ça en ta face. Mais il fout quoi le boule? Mais je suis on est deux à jouer au fond. Peut-être qu'il s'occupe des petits bots qui apparaissent, je sais pas. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, il était là-haut. Bah, il fout rien, c'est un débile qui fout rien. Il se fout de notre gueule. Je voulais juste le sauter en achèvement, vous voyez, en mode prise stylée. Bon, allez, je veux le tuer, c'est à moi de le tuer, ok?
Et ouais, le style, il m'a laissé achever. Merci, boulot. Avec son petit moyen, son mini, ses petites chaussures Spike. Enfin, ses petites. C'est. Voilà. Mais au bout, il a rien fait en fait. C'est dommage, hein. On aurait pu le faire plus rapidement. Bon, déjà, on a réussi ce niveau. Une petite bonne boule comme ça, allez hop. Oh putain! Oh putain, les amis, c'est Billy! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Ça faisait 2 mois que j'avais pas le brûleur! Oh les amis! Oh là, je suis choqué, les amis, là. Oh non, non, non! C'est pas possible, les amis, c'est Billy! Capture d'écran. Oh là là, c'est Billy, le boulot que je trouve toi, je l'ai. Oh la putain, je suis trop content. Ça faisait 2 mois que j'ai pas de brûleur, les amis. Oh là 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 là, la dernière fois j'avais poli à 8000 trophées dans une méga boîte. Maintenant c'est Billy. Oh, je suis trop content. Ah, j'ai trop content, Billy. Allez, notre petit rouge avec notre petit chou. Oh, je suis trop content. Chou à 10. Koleji Wack. Bon, allez, on fait le niveau difficile. Oh, je suis trop content. Oh, je suis trop content. C'est pas possible. Bon, il faut que je me calme. Bon, en vrai, j'avais un appareil, un petit compte qui s'appelait Blaziken il y a très longtemps. Je l'ai commencé en février. Et jouer sur Playdroid, c'est un jeu, en fait, c'est très 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 dur de jouer, parce qu'en fait, vous voyez le machin, là, le tir machin qui se trouve là-bas, le tir, comment tu vises pour tirer, quoi. Et le machin de bouger, et ben en fait, c'était une souris qui se déplaçait sur l'écran, et ça se déplaçait simplement, du coup, je faisais comme ça, hop, après, je pouvais bouger. Enfin, vous voyez, ouais. Désolé, les mecs, hein, ils sont juste prendre pour un fou. Putain, en plus, ça recharge vite, hein. Et du coup, en fait, je pouvais pas bouger et avancer en même temps. Je veux dire, bouger et taper en même temps. Ce qui était un réel problème. Billy est franchement un de mes brawlers préférés. Vous voyez, j'ai cancel son. Ses missiles. Oh là, je vais mourir. Comment ça? Vas-y, Ulrico. Oh, on a une team pas terrible. Hein. Non mais en plus franchement c'est... Je me suis dit bon peut-être que comme je vais me lancer dans YouTube, peut-être que je vais bientôt avoir un brawler quoi, ouais. Vous voyez, je vais peut-être bientôt avoir un brawler. Et voilà, et je voulais trop avoir Billy, mais bon, ça faisait 2 mois que je n'avais pas eu, je me suis dit bon allez, j'espère que je vais avoir une petite boîte brawl, mettre un brawler, j'aimerais trop filmer quand je vais avoir un brawler. Et bah c'est arrivé. C'est arrivé devant vous les amis, et c'était de l'imprévu franchement. Enfin légèrement imprévu quand même, ça faisait longtemps que j'ai pas eu de brawler. Mais tu sais, je vais bientôt en avoir une. En avoir un. Mince. Bah c'est arrivé avec un de mes brawlers préférés. Je vous jure, je suis trop heureux. Moi je suis un youtubeur qui joue beaucoup sur les aussi les commentaires. Du coup vous pouvez me partager votre youtubeur pour moi. Là je suis un peu mort. Hein. Par contre, je pense que je vais faire bien plus que 3 épisodes comme prévu parce que il y a déjà quasiment à 10 minutes de vidéo et on est qu'à deuxième niveau de difficulté. Moi aussi, après, j'ai eu Billy, du coup, ce qu'il y a. Mais par contre, elle est un peu faible, hein, ma Billy. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de vie. Du coup, c'est des gens qui viennent d'avoir leur brawler. Il vient d'avoir ricoché. Et car je pense. Après, je suis pas sûr, mais. En général, c'est ça. Quand on vient d'avoir un brawler, on commence avec des gens qui viennent d'avoir un brawler. Non. Dégage. T-Rex. T-Rex. Ouais, je salue ce Karl. Mais c'est bien des gens, c'est un mec qui vient d'avoir Karl, d'avoir Karl, oui aussi je crois. En tout cas, le
Echo est un nouveau, parce que 2400, oui, c'est nouveau. Vas-y, je te... Ouh, je suis... Non, c'est la première fois que je meurs. Il y aura un petit spécial de la vidéo. Je vais vous montrer un truc spécial. Bon, après, c'est non plus ouf, ça c'est stylé, quand même, calme. Si on a le temps. Mais je pense que oui, hein. Oh, ouais, peut-être pas. Bon, j'aime pas trop les corps à corps, mais... Wouah! Vous avez vu combien de fois j'ai touché là? Le petit robot, là. J'ai touché 3 personnes. Même pas touché, dégoûté là. Faut qu'on s'active les gars. Allez, Ricochet balance son ulti, voilà c'est ça. Le Kerr en fait il sert un peu à rien son ulti là-dedans. En plus il bouge plus. C'est un peu embêtant. En plus là on joue longtemps, on est déjà... Là, je fais quasiment 1% par coup de batte. Bon en vrai pas du tout mais... Il faut que je lui donne encore 80 coups de batte pour pouvoir le toucher. Pas terrible, hein. Non mais là je suis un peu mort là. Ah c'est bon, il recommence à jouer. Putain, j'ai fait n'importe quoi là. Aussi merci à bot1bot1 pour s'être abonné à ma chaîne. Enfin je crois qu'il s'est abonné, hein. Ok, merci pour ton salut et bien joué. J'ai apprécié vos commentaires. Du coup, normalement, si tout se déroule comme prévu, punaise, je ferai une vidéo avec Rorof et je sais pas avec si Enfinibus sera là samedi prochain. Normalement. Ouais, je vous dirai si j'ai plus d'informations en cours de semaine. En tout cas, j'espère. Hein, parce qu'on se marrera comme des fous. Par contre, j'aime pas les snipers rouges. Là, en fait, ils défoncent Billy. Je me fais vraiment déglinguer. En fait, ce que je vous raconte, c'est un peu un truc. C'est que mon corbac, il y en a qui pourraient t'étonner que je l'ai, mais... C'est mon brawler préféré, j'ai toujours adoré ce brawler. Et un jour, c'était le jour du 14 juillet, d'ailleurs. Et je faisais un pack opening de 21 petites boîtes. Et 3 ou 4 grosses boîtes. Et à 4001 trophées, d'ailleurs. Et du coup, je venais d'avoir tic. 4001 trophées pile, j'ai ouvert mes boîtes. Il me restait 8 boîtes. J'ouvre là, tourbillon corbac. J'étais punaise, mais c'était horrible. La situation, mais vous vous dites, oh, j'ai enfin légendaire. Là, c'était tellement épique. Et c'est mon brawler préféré et que je joue bien, plus je trouve. Bon, bah, c'est quasiment la fin de cette vidéo. Je sais pas si on a le temps. Non, je crois pas qu'on ait le temps. Bon, bah, je vous montrerai l'épisode 2 que je lance dans un peu moins de 20 minutes, je pense. Je crois, ouais. N'hésitez pas à rejoindre mon club, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à liker ma vidéo parce que j'ai pas mal de vues. En fait, je suis assez surpris parce que je viens de commencer. Et si vous avez des potes qui aiment Brawl Stars, les vidéos que je fais un peu comme ça, de ce style, vous pouvez leur dire que je suis un youtubeur qui peut-être les attend. Bon allez, bye, c'était Transforme Jura, j'espère vous revoir bientôt.